Voilà, intro terminée. Allez, c'est bon. Faites un bisou à Sylvain. Incroyable. Épisode terminé. Merci d'avoir regardé. C'est des phrases dont on comprend rien, avec juste quelques mots clés qui ressortent et qu'on comprend, tu sais. Oui, comme à l'époque de Squeezie. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Il le fait plus, ça. De la vidéo, de l'incroyable. Ingénieur en pont. Hein? Alors, on était. On ne savait pas encore quelle était cette quête du chien. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Donc, en gros, suspense, ouais, avec le chien. Ah, mais attends, mais du coup, on va pas pouvoir aller parler à l'autre chien en passant par là. Je pense que ça va trigger direct le combat, à moins qu'on soit en furtif. Le chien. On dirait que t'as déjà fait la quête. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Serais-je médium? On a combien de pourcents du jeu? Je pense qu'on se rapproche des 25% là. Parce que la carte se divise en 4 zones. On n'est toujours qu'à la première. donc passons en furtif. On est à la première, je crois. Oui. Je pense, hein, je suis pas sûr, mais ce que je sais de mon précédent let's play, c'est qu'on avait été beaucoup plus loin que ça, et que le truc, c'est qu'après cette zone, on débarque dans une autre zone. Et que là, en gros, on est sur la zone du sud, et après, on débarquait dans la zone de l'ouest, ou un truc du genre. Et en fait, il y a la zone du sud, nord, est et ouest. Parce que c'est ce qu'ils nous disent d'ailleurs à la fin des temps, c'est qu'il y a 4 coffres, coffre du sud, coffre du nord, tout ça. Du coup, il est là, le chien. Qu'est-ce qu'il raconte? En fait, j'ai voulu lui parler, mais j'étais en sneaky, et ça l'a pickpocket. Et du coup, il est pas content. Et il veut me fight. Merde. Ah merde, faut recharger. Ouais. Au moins, je sais que je pourrais payer mon loyer pendant un an. Attends, et t'oublies Baldur's Gate 3, ma poule. Et Starfield. Et Star Citizen. Et Star Citizen. Mais je suis assez soucié, hein, pour reprendre depuis Starfield, là. Parce que du coup, Starfield me file une énorme frustration sur le pilotage de vaisseau. Tu peux rien faire, en fait. Ah ouais. Le vaisseau ne sert strictement à rien. Ouais, je ok, vas-y, donc on se remet en fufu. Star Citizen. Ah, faudrait que tu crées une chaîne. Mais pourquoi tu crées pas une série Star Citizen, toi? Bah, je sais pas. Pour le stream, je sais pas, déjà, j'ai pas la connexion qu'il faut. Ouais, non, mais pour YouTube. Ouais, pourquoi pas. C'est je pense que y a un bon délire. Y a une communauté Star Citizen. Et si tu proposes du contenu sympa, des tutos ou des genres de trucs, y a moyen que voilà, que tu rencontres la femme de ta vie. Et peut-être que la femme de ta vie, ça va être Water Patate. Non, la femme de ma vie, elle ne joue pas aux jeux vidéo déjà. Alors c'est mal barré. C'est ta mère. Non. Mais il raconte quoi, lui? La même chose? La même chose. Ouais. Ok, bah vas-y, on les bute. Ça suffit. Je les prends par la droite. On sauve les deux chiens maintenant. Mais est-ce que l'autre chien va se mettre en combat? Ah merde, l'autre chien ne s'est pas mis en combat. Eh bah tiens, j'étais immunisé contre le cul de rage. Ah, très bien. J'ai un modpack Star Wars pour Starbound assez bien foutu. Ah. Starbound, c'était sympa ça aussi. Par contre, c'est aussi un jeu très infini, de ce que je me souviens. Ah bon, j'ai pas mal joué, tu sais, hein, à Starbound.
Ouais, je suis sûr que tu l'as pas fini. Non. Mais j'ai plein de petits tips. J'étais allé loin, hein. J'avais un gros robot et tout. Mais pourquoi tu crées pas une chaîne YouTube? Bah, Star Moon, c'est fait et refait pareil, sur YouTube. C'est vieux. Ouais, bah tu me diras, Star Citizen, c'est un peu pareil. Hein. Il a 8 ans le jeu. Voire plus. Et Star Citizen, j'ai vu une chaîne YouTube qui montre. Enfin, j'ai vu des shorts d'une chaîne YouTube française. Le mec, il fait des actions de fou en vaisseau, il vole super vite avec derrière un autre de ses potes. Ils sont en pleine bataille, il a une bombe nucléaire qui tombe sur la lune. Je serais trop stylé. Je te dis, putain, c'est Star Citizen avec une ogive nucléaire qui bombarde la lune, qui à côté d'eux, qui frôle la lune. Et ils sont sur la lune en fait en volant. Et vraiment, tu vois l'éclat, le gros flash qui t'éblouit, quoi. Ça donnait envie. Puis je voyais dans les commentaires tout le monde qui disait, mais c'est quoi ce jeu de ouf? Bah, c'est Star Citizen. Le problème de Star Citizen, c'est que moi j'ai joué parce que enfin, il est installé sur mon PC là, s'il faut y jouer, on peut y jouer. Et le problème c'est que j'ai pas réussi à faire de quête quoi, c'est à cause des bugs quoi, et je me demande si c'est pas ma connexion qui est en tort. C'est toujours bugué à ce point? Bah j'arrivais pas à faire une simple quête, j'arrivais pas en fait. Juste pour prendre des caisses, ça, j'arrivais pas, ça buguait trop. Avant la fin de la quête, ça finissait par bugger en fait. Les serveurs, ils étaient pas stables. Ou alors c'est ma connexion qui est pas stable. Bon, ils ont pas l'air trop vénères. Hein. Bon, j'ai une idée. Bah, c'est le problème, c'est pas qu'ils soient trop vénères, c'est qu'ils risquent de tuer le chien, mais remarque, on s'en fiche puisque le chien il se barre après. Ouais, ça c'est pas mal ça. C'est une attaque de base. C'est une attaque de base ou c'est un sort spécial que t'as fait? Non, c'est l'attaque de base, c'est un bâton de feu. Oh la vache, t'as touché tout le monde. Ouais. Et on va rajouter une petite couche. Merde, le lapin s'est barré, il aurait pu se Oh, ils sont malades, ils vont tous vomir. Merde, c'était pas la bonne grenade. Ah merde, ça a touché le Doxy. J'espère que ça te bloque pas la vue. Ah, c'est un mod pack qui modifie Starbound en mode Star Wars. Ah, c'est stylé. Bah après, Starbound ça ressemble déjà à Star Wars. Oui, mais du coup, je pense que ça peut être pas mal quand même. T'imagines un vaisseau impérial dans ce style-là, ce serait génial. Oh, franchement, se balader dans un vaisseau impérial, un croiseur interstellaire ou un truc du genre, je sais plus comment ça s'appelle. En mode Starbound, ce serait quand même assez cool. Un peu en mode Fallout. Bon, bah, il a tué le chien. Ah. Putain, un Fallout Shelter en mode Star Wars, ça serait fou ça. Oh, j'avoue. Ouais. Mais du coup, Star Wars, on peut jouer avec Steve Matt. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible. Je sais pas combien ça joue d'ailleurs, Star Wars. Bah, mais attends. Chaque jeu en son temps. Ouais. Déjà que j'en chie pour trouver du temps à jouer à Starfield. Doxy est vivant, justement. Je crois que Doxy est mort. Oui. Et des jeux comme mort. Ça, c'est Starfield, Diablo 4, bon, hein. Quand on n'a pas beaucoup de temps. Bah, Diablo 4, ouais. Ouais. Mais Diablo 4, je sais même pas si je vais le reprendre. On va lui faire un coup normal. Bah, désolé, Lessa, je suis pas aussi fort que toi. Je suis pas un mage. Merci. Merci. Okay, le loup est pas bien. J'ai étourdi le personnage qui nous carry. Mais le loup, il a une patte blessée. Hein. Bah là, il est étourdi en plus d'être embourbé. Et il est embourbé dans du slime, ouais. Ouais.
Ok, c'est good. Il s'est déjà barré, l'autre chien, putain. I needed that. Je sais même pas si le fait que Doxy soit mort, ça nous a fait de l'XP. Tiens, d'ailleurs, toi, t'as un niveau, hein. N'oublie pas. Ouais, je sais, mais... mais j'aimerais attendre d'avoir le bouquin pour être sûr de pas cramer un point pour rien alors que j'aurais besoin d'aéro. Oui. Oui, de toute façon, tu peux toujours économiser, ouais. Putain, c'est vrai, il y a les lapins. Les lapins. C'est bon, je l'ai mobilisé, tu peux le tuer. Attends, déjà, je suis celui-là. Super, j'ai visé à 3 mètres, ça l'a tué. Eh ben, attaque. Je pense à la dernière vidéo de JDG sur, sur Star Citizen où il explique un peu toutes les nouveautés. Et ce qui paraît, il y avait une nouveauté à un moment donné, c'était juste ils ont rajouté un commerçant, un seul à un endroit précis qui vend du café. Et ça leur avait pris plusieurs mois. Ça. Mais genre, à ce qui paraît, c'est important parce que ça jouait avec leur nouvelle technologie pour gérer les inventaires des PNJ, enfin bref. Bon. Le café ? Ouais, le fait que le vendeur, en fait, quand tu lui parles et que tu lui commandes un café, en fait, il fait tout à la main, si tu veux. Il fait vraiment tout de A à Z. Il prend dans l'inventaire de son truc un café, putain, il fait génial. Le truc. Moi, je pense qu'il vous avait promis Squadron 42 il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Ouais, il fait peur, ça. Je sais pas où c'est. C'était il y a 3 ans, d'ailleurs. C'était en 2020, hein. Année du Covid. Je prout. Ah oui, alors, la sauvegarde. Ok, cette fois-ci, je vais rester dans les clous. On va aller voir du côté de la porte que tu avais trouvée, d'abord. Et comme ça, on récupère l'XP. Ok, ici, il n'y avait rien. Comment elle s'appelle, celle-là ? Le bosquet. D'accord. J'ai l'impression qu'on a... Quand je vois la liste, là, j'ai l'impression qu'on a débloqué toutes les portes, déjà. Quasiment. Il doit certainement en rester une, qui va être l'église. Oh putain, un lapin. Un putain Regarde. De lap... Quoi ? Sauvegarde ! Parce que c'est là où il y a les méchants. Ok. Voilà. C'est parti. Heureusement que c'est fait save, t'étais à 1 mètre de trigger le combat. En fait, ce serait assez tentant d'exploser les champignons venimeux parce que si c'est du poison, je peux les enflammer. Et si ça les heal, on s'en fout parce que là ils sont full vie donc. À la distance là. Oh, c'était quoi ça? Ouais, c'était un nuage empoisonné, mais écoute, ça a explosé direct. Ah, mais parce qu'il y a une torche à côté. Ah merde. Ah, mais du coup, t'aurais dû tirer sur un champignon. Les champignons niveau 6. Non, mais... Dans mon MMO, les PNJ ils feront semblant de bosser, mais ils ramèneront des ressources. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Ah, c'est bien ça. J'avais joué à une certaine période, là je repense à Starbound, j'avais joué à une certaine période à un jeu sur mobile qui s'appelait Tiny Death Star ou un truc du genre. C'était je trouvais vraiment l'esthétique géniale et en plus c'était un jeu de gestion de l'étoile de la mort. C'était assez sympa. Tiny comment? Tiny Death Star. Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle est conne. Pardon. Ah merde, et du coup elle gêne. Ah, oh merde, j'ai cramé. Mais putain!
J'ai tout cramé, je fais de la merde. Bon ben à vous de jouer. Évidemment. Évidemment. Il va falloir que tu me la téléportes loin si tu peux. Non, je peux pas. Ok, je pense même que je vais recharger parce que... Là, on a mal démarré, là. Ah, tu as mal démarré. Excuse-moi. Oui, mais c'est le misclic, quoi. C'est frustrant, le misclic, putain. Ça y est, le live de Squeezie est retombé. Ça y est, la hype est retombée. Pendant la pause, j'ai été voir le record du coup de viewers en pic. Donc, le record man, c'est Ibra, comment il s'appelle ? Ibra TV ? Non, c'est un espagnol. C'est. Non, Libraï. Je sais plus comment il s'appelle. Il avait fait 3 millions 2, je crois, de pic viewers. Ah ouais ? Sur quoi ? Deuxième. Je sais pas, hein. Le deuxième c'était un anglo-saxon aussi, je crois qu'il avait fait 2 millions 4. Et le troisième du coup bah ça va être Squeezie avec 1 million 3. D'accord. 3 millions de viewers pour un espagnol? Ouais je crois ouais. Bah, c'était c'est l'espagnol c'est avec qui il y avait eu les matchs de foot. Et la Pixel Works etc là. Ah ok d'accord. C'est ce mec-là, je crois, il braille... Je sais plus, la merde. 3 millions de viewers, faut le faire. Hein. Ouais. Indécent. Quand je pense que les chaînes comme le stream, tout ça, ça a disparu... Mais y a que Popcorn, hein, et que encore des fois. Popcorn ? Ouais, mais c'est pas sur la chaîne de Domino ? Domingo, ouais, si. Domingo ? PA. Ouais. Ok, voyons voir... Ah merde. Est-ce qu'on peut enflammer tout ça? Non, mal visé. Allez, vise bien s'il te plaît, voilà. Un champignon, il finit par exploser. T'as vu tous les slimes? Les slimes? Ouais, sur les côtés là de la route. Les champignons, tu veux dire? Ah, c'est ça les champignons, putain, oui, je comprenais c'est pas tout à l'heure. D'accord, ok, oui, c'est des champignons qui, quand tu les exploses, je pense, lâchent du poison. Du coup, je dirais que si on les explose, bah, après on peut les faire s'enflammer derrière et... Pas mal. Très bien. Là, du coup, ça bloque la vue aux archers. Ah, t'as toujours la vue? Oui, sur lui en tout cas. Merde, il est sur le chemin. Oh, c'est pas grave. Vas-y, tu prends. À
Ah mais c'est vrai que je peux faire ça aussi. Sauf que j'ai plus la vue. Ah j'ai la vue ici là. Il peut encaisser des tirs. Ah et du coup c'est lui qui est envoûté. Ouais mais c'est bien parce que ça évite de se faire envoûter un autre perso. Ouais. En plus l'empoisonnement c'est lui. Oh là. Le mec il a juste lancé un truc et ça a mis des braises. Nous on se fait chier à mettre du poison, un combustible ouais, et un nous, combustant chie, ouais. Là. Et lui il balance un truc ça explose direct. Bon ça y est j'ai pris le niveau. Comment il trace. Okay, dans The Fist, je l'ai. I must focus. Ok, je regarderai après. Que je fais la pluie. Je vais faire la pluie. Ça, ça va enlever les flammes. Ah, mais ça va enlever toutes les flammes. Ouais, c'est pas grave, parce qu'ils, là, ils sont plus que deux là. Sachant qu'ils vont crever là, notamment lui. Ouais, et je vais mettre ralentissement sur Nick, comme ça il nous emmerdera pas trop. De toute façon, je peux faire. Non, ça, je peux pas. Je peux faire ça. Alors, où est-ce qu'ils sont les guerriers là? Ok, il y en a un qui fait le tour là-bas. Oh, Spectre Abyssal, salut! Salut! Salut. Les bips sous cosmique. Cosmique. Salut. Les bips sous cosmique. T'as Terra Newt ou quoi? Mais en fait, je peux rien faire. C'est fait chier, quoi. Bah, de toute façon, on est obligé d'attendre qu'ils arrivent. Donc, parce qu'ils sont loin. Donc, moi, je dirais économiste TPA. Voilà. Et on les laisse venir. Voilà, j'ai touché. Bon. Il lui reste combien de PV à lui là? Un PV, je pense que tu peux le finir, non? Salut! 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 Ok, elle peut le choper. Elle est trop forte. Je peux le choper aussi comme ça. Salut. Et du coup j'ai plein de poids d'action. Mais je peux le buter, je suis trop nul. Et il fait demi-tour ce gros bouffon. Ah il fait demi-tour. Bah tu peux les, du coup rapproche tes persos du coup. Salut. 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 Allez Nick. Nick la police. Oh tu vas avoir plein de flèches à récupérer toi au sol. Tu sais comment on dit zombie en espagnol?
Non. On dit Larson. Larson. Et en gros, Larson. Larson. Et du coup, le zombie, c'est Il Larson. Mm-hmm. Et du coup, là, c'est Nicky Larson. C'est drôle, dis donc. Et c'est vrai, c'est, on, zombie, ça se dit vraiment Larson? Non, j'en sais rien. Ok. Il est drôle, moi il me fait rire. Mais je pense qu'il y a que moi. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un de gentil. Il y a les squelettes qui flottent. T'aurais été génial, Nick, sur ce combat. C'est quand tu veux, Strasslet. C'est vrai qu'il y a un ennemi, il faut que t'aies une stratégie. Bah oui. Et je me demande s'il reste pas un autre là-bas, là. S'il doit être parti, c'est bizarre qu'on voit plus l'autre. Non, mais c'est lui. Il a fait demi-tour, non? Mais non, mais c'est deux à être parti, en fait. De toute façon, le temps qu'il vienne, l'autre, s'il est vraiment là, bah j'aurai le temps de récupérer mon sort. Non, moi, je pense que c'est le dernier, hein. Ah putain, mais c'est vrai. Je crois que mon arme au corps à corps, elle fait renverser, ouais. Mais sauf que comme j'ai jamais l'occasion de taper au corps à corps, on le savait pas. Ou alors quand je les tape, ils sont déjà au sol. Le robinet du futur, il est là. T'as tué. J'ai tué qui? T'as tué Nick? Il était sur la trajectoire? Mais non! Il est mort tout seul? Non, non. Bah, je crois bien hein, qu'il a juste des pop parce qu'il avait plus le temps, non? Je crois bien. Ouais. Je crois bien. Salut! Salut! Spectre Abyssal! Salut! Ah, bien! Je suis Suisse! Je viens de manger de la fondue. La fondue. On a tué Nick. Ok, la sauvegarde. Je prends envie qu'on se fasse savoir. Alors, deux chemins s'offrent à nous. Du coup, il y a une pièce. Il y a quoi là? Là il y a du poison, je sais pas pourquoi. Pourquoi il y a du poison ici? C'est trop bizarre. Voilà, il y a plus de poison. Et il y a plus de feu. Ouais, à ce niveau-là, autant ne pas mettre de poison, quoi. Ils sont chiants, merde. Attends, mais c'est quoi là-bas, c'est bizarre, en bas? What the fuck? C'est... Quoi? T'as vu en bas, c'est stylé? C'est une église ou quoi? Ah, ce serait l'église, ouais. C'est possible, ouais. D'ailleurs, on peut voir l'église. Dedans. C'est l'église, ouais. Ou bien... c'est l'église ou bien... Attention, sauvegarde. Avant que tu ouvres, je vais reprendre le Black Devil pour voir s'il n'y a pas des pièges. Ouh, il y a un livre de compétences intéressant là. Oh putain. T'es même pas rentré que ça a déjà activé les pièges, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Ah, il y a de la flotte au sol, donc on va se faire électrocuter. Il y a une mine élémentaire au sol. Attends, j'ai attention. Une technique, regarde.
Ah, il y a une dalle. Putain, mais... Quand t'as sauvegardé, ça m'a fait bugger. Oh là là, attends. Non, j'ai pas sauvegardé. C'était une sauvegarde auto. Voilà, c'est bon. Ah merde, j'ai pas ce qu'il faut pour projeter. Ah, c'est le coffre secret de Télion. Ouais. C'était qui déjà Télion ? Je me souviens même plus. Je sais pas, mais c'est un sacré pharaon. Allez, attaque ! Non, c'était un Skeluron, c'est ça que je voulais dire. Putain, je suis con, un pharaon, ça veut rien dire. C'était un Geluron. Hydrosophiste, elle a déjà un point elle aussi. Mais mais moi j'ai pas de sort d'Hydrosophiste, alors pourquoi il m'en fout. Parce que c'est sûr qu'il faut pas être niveau 2 pour l'avoir, le Hydrosophiste. Le bah non, il suffit. Si t'as pas encore de sort Hydrosophiste, bah c'est bon en fait. T'as un point Hydrosophiste, donc dès qu'on aura le bouquin, tu pourras l'apprendre. Mais faut qu'on achète le bouquin, faut qu'on le trouve ou qu'on l'achète. Et Lessa qui, enfin je veux dire, elle a combien en Hydrosophiste? Je veux dire ça, elle a... Elle a 3. Ah, et des sorts voilà, d'Hydrosophiste, elle en a 3. Parce qu'il y a un sort Hydrosophiste, enfin, il y a des sorts qui te demandent d'avoir un niveau plus que 1. Quand t'as un niveau 1, tu peux pas tout avoir. Hein. Il faut. T'as des sorts. Non, c'est. En fait. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche en gros. Non, je t'assure. Hein. Je t'assure que si, moi, il y a des sorts que j'ai depuis le début que j'ai pas pu apprendre parce que j'avais pas un niveau assez élevé en tireur d'élite, par exemple. Non, c'est parce que t'avais déjà appris. Non, je t'assure que non. Attends, j'ai des bouquins là, je vais te montrer. Il y a des bouquins qui me disent niveau minimum requis 4 en tireur d'élite, tu vois. Alors que moi je suis que niveau 1. Tu vois, lui par exemple, c'est nécessite niveau 6, tu vois. Karma du survivant, tireur d'élite expert, il nécessite niveau 6. Attends, c'est pas moi hein, qui. Niveau 1 vous permet d'apprendre et d'utiliser 3 compétences de novice. Ah oui, mais après, c'est parce que... Attends. Quoi ? Enfin, je vais dire ça, j'ai un bouquin... Homme d'armes, adepte. Homme d'armes... C'est niveau 6, peut-être. Ou niveau 5. Ah, ok, adepte vous permet d'apprendre... D'accord, donc... effectivement, t'as 3 niveaux. T'as... Bah attends, mais je vais te dire Hydrosophiste ce que c'est comme niveau. Ouais. Régénération, je veux dire. Régénération, c'est novice. Novice, donc niveau 1, mais ça peut aussi être niveau 2, on sait pas, parce que là, adepte, tu vois, c'est niveau 6, moi. Et toi, c'est peut-être autre chose. C'est quoi, toi, ton bouquin que t'as... Ouais, mais... Mais non, le bouquin de régénération, c'est un bouquin de novice. Donc oui, c'est un bouquin novice, tout adepte, simple. Ou quoi, c'est... D'accord. D'accord, mais ma propriété là, de là mais j'ai un livre de compétences, tireur d'élite, expert. Il y a écrit adepte, mais en dessous, quand tu vas en dessous, il y a écrit propriété nécessite niveau 6, en tireur d'élite, expert. Oui, en tireur d'élite, d'expert, mais c'est pas de la magie. Oui, mais en Hydrosophiste, tu peux très bien avoir un truc novice, mais qui nécessite niveau 2 ou 3. Parce que là, adepte, c'est niveau 6, c'est pas niveau 2 ou 3. Il y a bien un oui, entre mais deux. Oui, Hydrosophiste, attends, tu vois, par exemple, si je me mets sur Black Devil qui a un seul niveau d'Hydrosophiste, niveau 1, ouais, vous permet d'apprendre et d'utiliser 3 compétences de novice. Alors, ça sert à quoi le nécessite niveau 6 là? Pourquoi ils me disent qu'il faut que je sois niveau 6 pour ce bouquin là? Mais il faut que ton perso soit de niveau 6. T'es sûr que c'est comme ça? Je pense, oui. C'est comme quand, tu vois, moi par exemple, j'ai des objets qui nécessitent par exemple d'être niveau 7. Mais sur les bouquins, c'est ça, propriété, il me dit, nécessite d'être niveau 9 sur mon bouquin de rage. Et mon Black Devil, il est niveau 9. Ouais. Mais en homme d'armes, je suis niveau 3. Et est-ce que dans Hydrosophiste, il me compte un bonus que je pourrais avoir en points là? Parce que je vois aller-retour, j'ai pas mis de points en aller-retour.
Mais à partir du moment où t'as... Tiens, d'ailleurs, j'ai récupéré un casque que je t'envoie, qu'il faut identifier. Alors, du coup, mais à partir du moment où t'as pas de sort, et t'as pas appris de sort hydrosophiste et t'as déjà niveau 1 hydrosophiste, normalement, tu peux apprendre 3 sorts d'hydrosophiste. De niveau novice. Et là, j'ai mes points d'arbalète, ils sont à 3, ça veut dire que c'est quoi? Que c'est niveau max, niveau 3 ou quoi? Non, c'est que niveau 4, il va te falloir 3 points d'XP pour pouvoir acheter le prochain niveau. Moi, c'est pareil pour moi, pour homme d'armes. Mais je peux pas utiliser le petit plus, et j'ai pas de petit plus, parce que il me faudrait. Ça coûte pas un point, ça coûte plus cher en fait. Faut économiser. Ok. Ben, je vais économiser. Et elle a combien de points? 2. Voilà, c'est bon. Bon, alors comment on fait maintenant? Ils ont arrêté de tirer les têtes ou je rêve? Ça tourne en boucle. Attends, je crois que j'ai un coffre vide. Donc déjà, on va mettre ça là pour bloquer ça. On va virer la flotte. Ah, ça vire pas la flotte? Ah, il y a une dalle là-bas. Non mais c'est pas la dalle qui a fait ça, attends. Je vais tester hein, mais... Est-ce que tu peux me TP sur la dalle? Mais non, tu vois, c'est bien ce que je pensais. Ah mais il y a un levier là-bas par contre. Bah voilà, il faut que je te téléporte le levier. Il est où le levier? Ah oui. Mais qu'est-ce qu'elle est con cette connasse? Ah oui, fais gaffe, ouais. Après il y a une petite dalle juste devant nous aussi. Ah oui. C'est long, hein, régène. Ah, bah y'a plus d'eau, tiens. T'as vu? Ah, si. Si, l'eau revient, ouais. Long, le téléportation à revenir. Il y a un couteau à beurre, ça m'a l'air important. Alors... Où ça va? Oh là là, c'est chiant. C'est pas encore revenu? Ok, je peux te mettre à côté du levier, t'es prêt? Ouais. L'éclair est passé, c'est bon. Vite. Ok, est-ce que c'est bon? Ça fait c'est quoi? C'est bon, ça. Attends, j'appuie dessus. En fait, je pense que c'est le coffre que t'as mis qui, du coup, aussi. Mais faut que j'enlève, ouais, j'attends que ça s'enlève. Bah, remarque, tu peux le faire. Ok, c'est bon. Ok, j'ai l'impression qu'il y a plus de. Il y a toujours une trappe devant moi, hein. Je sais pas ce qui se passe si j'appuie dessus, mais. Attends, je me mets dans un coin et vas-y. Mais par contre, fais gaffe, il y a une mine juste devant. Hein. Ah ouais. Attends, faudrait déclencher la mine. Super. Ah, tire dessus. Oh putain. Ok, très bien. Il y a du stuff. Oh, hum. Ah, c'est ça que ça fait? Ouais, mais c'est nul. Super, on se fait chier pour rien alors qu'il y a que dalle en fait. Couteau à beurre, c'est 8, clou 9 pouces. De toute façon, là j'ai l'impression que j'ai tout fait. À quoi qu'il y a un truc là. Oh, il y a des bouteilles cassées, je prends. Alors j'ai récupéré des livres, des lettres. Alors c'était quoi?
Turlin de Tiléron. Mes recherches continuent de me mener sur des sentiers intéressants, blablabla. Découvrir un volume contenant les contes arcaniques de ces maudits rois ensorceleurs. Le livre des enculés s'intitule-t-il? Oh putain, il est vachement long son truc. Ok, ta gueule. Kindly doctor have gotten entangled in necromancy. I've got to confront Thelaron. Téliron, mais c'était qui déjà Téliron? C'est un joyeux luron. C'était pas le docteur? Je crois que c'est le docteur. Je sais pas, tu parles de docteur, je suis. Et salut Raffaello. Bah, tu sais, le docteur qui est dans la ville de Cizerl, il y avait un médecin. Et son assistante, en fait, c'était la méchante. Là j'ai une lettre adressée à Téliron. Attention du brave docteur Téliron, vous avez nié mon statut divin, mais vous avez eu le sagesse de reconnaître mon pouvoir. J'attends de pied ferme les résultats de vos recherches, car la patience n'a jamais été mon fort. Signé l'oracle de la déesse. Je vous fais don de pierre de sang si puissante que vous n'aurez dû avoir aucun mal à le réveiller pour le peser. Ok. D'accord. Oui, donc en fait c'était un méchant. Donc il faudrait aller lui retourner lui parler en ville, je pense. Bah ok, bon, on a fini cette zone. Et attends, comment on va faire pour atteindre cette église? Est-ce que de là je peux te téléporter là-bas? Attends, mais il doit y avoir un chemin, non? Après, j'ai l'impression qu'il y a une zone qu'on n'a pas faite là. Oui, il y a toute une zone qu'on n'a pas faite là, qui est encore dans le noir sur la carte. Tout un cimetière. Mais je te propose qu'on retourne en ville d'abord. De là je pourrais en fait. Ah, attends. Tu te rapproches là. Ah merde, t'étais pareil. Je suis retourné en ville. Tu voulais faire quoi? Attends, je vais essayer avec Berdout. Tiens, et d'ailleurs, je vais regarder le journal des quêtes. Et ça va, mon cher Raffaello? Très bien, et toi? Et salut, Silax. Silax. Nous avons dû faire face à un baron mort-vivant, il a évoqué un personnage inconnu auquel il attribue sa résurrection, ok. Phare pour amour perdu. Ah oui, je crois qu'on avait fait bugger une quête, il y a une quête qu'on ne pourra jamais terminer avec Desdemona, je crois. Tiens, je vais aller voir si elle a pas des bouquins d'hydrosophiste au marché. Ah, gracious patron, I see your tired eyes looking a bit teary. I've just the potion for that. Or would you prefer a toasty fire spell to dry those? Ah, si, elle a. Ah bah super, elle a un livre de régénération. Elle n'a que un. Elle n'a que un, mais c'est toujours ça de prix. Et elle a touché givrant, si tu veux congeler des gens, si ça t'intéresse. Ah, elle a le livre de téléportation. Ça peut être pas mal d'avoir un deuxième personnage qui peut faire ça. Putain, il y a un livre pour rendre les personnages invisibles. C'est cool ça. Saut du tonnerre. Ça aussi, ça a l'air bien.
Ok, je vais lui acheter tout ça. Oh, elle a des trucs pour homme d'armes, toi, si tu veux. Ah, puis elle a une putain d'épée, c'est quoi ça? Ah ouais? Elle a stylé son épée. Mais c'est fait 22-28, je sais pas si ça t'intéresse, mais. En tranchant. Ouais, je vais aller voir. Elle est stylée, son arme. Oui, parce que mon épée, elle fait, elle est quand même pas mal déjà. Je vais récupérer son or. Ok, c'est validé. Ok, je te file le bouquin du drosophiste à... Qui, Berdautre ou Straslet? Straslet, c'est mieux. Ok. Toe of snake, wing of worm, vroom spice and storm. Téléportation, touche électrique, invisibilité. Invisibilité, c'est pas mal. Je pense que je peux passer à elle hein, déjà. Et je pense que je vais lui faire apprendre invisibilité. Ah merde, c'est quoi? C'est adepte. Saut du tonnerre. Téléportation. Et toucher électrique. Ok, putain, ça y est, les bourrés en sort. Lonesome, spiritless, perhaps wrestling an earth elemental will inject some vim into your routine. Ok, elle va pouvoir électrocuter les gens, ça c'est bien. C'était qui avait l'épée de fou là? Juste derrière le mec. Le fromager? Mais je crois, attends. Ben non, il a rien. Non mais. Juste derrière là. Pas lui, enfin. Merde, attends, mais j'arrive. La poissonnière? Non, devant. Attends, mais je suis en train de faire des trades, excuse-moi, hein. La vendeuse de légumes? Voilà. Oui, je crois que c'est elle, vendeuse de légumes. Non, c'était là, elle. Là. C'est vendeur de légumes, ouais. Bah ouais. Ouais. Mais ça doit être une épée que tu lui as vendue en fait. Ah, c'est possible. Je l'ai trouvé stylé alors. Attends, je regarde. Ah oui, elle est nulle. Ouais. Excuse-moi. Je vais t'avoir hype pour rien. Attends, je peux la prendre ça? D'accord. Pourquoi j'ai la fuite là? Ok. Ok, très bien. Donc je vais aller voir le, médecin. Où est-ce qu'il était ce médecin? Oh, on peut oublier des sorts. Trop bien. Ah, tu peux te faire de la place. Bah ouais, parce que j'ai un sort pourri sur Bardot et qui me sert à rien. Oh putain, il est pas là. Le médecin n'est plus là.
Le médecin a fui. Bâton de Magnus, mais qu'est-ce que je m'en fous de ça, spécial. Pourquoi j'ai le bâton de Magnus? Qu'est-ce que... Attends, on avait déjà fait toutes ces étagères. Sur de précision, c'est pas mal ça. Ok, bon, Téliron s'est barré, il est plus là. Et je vais te remettre sur de précision. Flèche à fragmentation, ça va être bien, ça, je sens. Hop. Régénération, téléportation. Ah, il y avait pas un mec qui vendait des cartes au trésor, là, le peintre, il me semble. Et si, vas-y, je vais lui prendre toutes les cartes au trésor qui lui restent. Oh putain, par contre, ça coûte super cher. Ouais, j'ai un sort bâton de Magnus que je peux pas utiliser parce que j'ai pas de bâton, c'est trop bizarre. C'est, je crois que c'est le truc de base, ça, de tous les Traxxos. D'accord. Je crois que moi aussi je l'ai. Mais pour ça, il te faut un bâton. N'importe quel bâton, tu peux utiliser ce pouvoir. Que j'avais un truc à identifier. C'est joli, bon. Ok, les parchemins sont un peu nazes. Je vais lui vendre. Là, je vais niquer des culs. Hein. Ça, je m'en branle. Ça aussi. Ok, il y a moyen que j'atteigne le truc. Je suis bien vendu à la coiffe vide. Ah oui, bah ça me servait plus à rien. Ça prenait de la place. Allez, prends mon pain, prends mes dents, prends mes troncs. Prends mon jambon. Rôti de porc. Mes patates. Hop, hop, ça je m'en branle. C'est quoi ça? Flèche, je garde. Faut que je les envoie d'ailleurs. Les cheveux, les clous, les crânes. Ça je garde, ça fait les potions. J'ai entendu un coffre tomber. mais je m'en branle. Putain, toute la merde que j'ai. Toute la merdouille. Cisaille, ça je m'en fous. Ah putain, d'ailleurs ça me fait penser, il faudrait que... Si tu vois des crochets dans les... chez les vendeurs, ça m'intéresse. Des crochets ou des kits de désamorçage. Ça marche. Oh, j'ai une potion de malus à l'intelligence, d'accord. Tiens, super. Revends là. Tu la bois, t'as moins de l'intelligence. Ça
watch the undead quiver in their moldy boots. Heavenly herring, delicious goldfish. Soudlé. J'avais oublié qu'on avait ça. Let us see if you can choose the finest greens. Ok, t'aurais pas un peu de pognon à me filer, genre 1002? Ouais, tiens, je te donne tout. C'est quoi? Garde la monnaie. Garde la monnaie. Pourquoi j'ai un tonneau de flotte? Depuis quand j'ai un tonneau de flotte? C'est toi qui me filais ça? Non. Ah, tu m'as tout donné, ok. Oui, mais de toute façon, t'auras qu'à rendre la différence au pire, enfin, on va voir. Qu'on aura besoin. Ok, j'ai rien que je perde de l'argent au pire. My map is slowly filling up with secrets. My map is slowly filling up. My map is slowly filling up with secrets. Portions to be muscle you. Ok, donc là j'ai débloqué tous les coffres secrets sur la carte qui nous manquaient. Ok, ouais, mais quand on va dessus ça marche pas alors. Après peut-être ça a marché, c'est juste que en fait c'est un peu bugué sur l'emplacement. Putain, après faut les trouver quoi, l'icône est tellement minuscule. J'arrive pas à les voir. Oh là, un putain d'arc. Oh là, un putain d'arc. Mais moi je veux cet arc. Qui ça? Qui ça? Mais il coûte 2000 son arc. Tentez. Attends, 64, 111 perforant. 7, dans la... 11 de dégâts d'eau. T'es dans une spécial plus 18 points d'effet. Ouais, je suis chez Esmeralda. Et elle a une grosse arbalète aussi. Il te reste combien d'or? Il me reste 1004. Oh bah c'est pas assez, laisse tomber. Pas grave. Ah ouais? Elle coûte 2000 son arc. Hein. Ah mais attends, j'ai un vrai anneau. J'ai un anneau qui fait 486 en plus. J'ai une amulette immaculée à 600 pièces d'or. J'ai des trucs. Hein. Ah, son arbalète aussi qui. Bah, ah ouais, bah attends, je te donne mes bijoux alors. Là, tu lui vends en même temps. Parce qu'il y a l'arbalète qui m'intéresserait aussi, mais bon, je sais pas si je risque de te trouver mieux un jour aussi. Non, je trie par valeur en or. Est-ce que je pourrais te donner pour que tu échanges avec elle? Ah bah, j'ai la pyramide de téléportation. 2200. Attends, elle est où? C'est moi qui dois faire le troc? Bah, tu me dis que t'avais de l'argent. Ah bah, si tu veux, je le fais, mais faut que tu me donnes tes trucs. The Hunter returns. Attends, bah, dis-moi ce que tu en penses de l'arc. Attends, va sur l'arc, moi je vais voir l'arc. C'est l'arc qui fait 6411, c'est ça? Ouais, mais attends, avant de l'acheter, je vais comparer avec ce qu'a le vrai archer, parce qu'il y a un vrai archer. Mais là, pour moi, il est à 1900. Ah, c'est bien, t'as une compétence de charisme en plus. Mais attends, avant de l'acheter, je vais aller voir le Fletcher. Fletcher, commerce... Attends, celui, il a des arcs aussi. Oh, attends, il y en a un meilleur. Attends. D'ailleurs, faut que je t'envoie... Attends, les flèches que j'ai parce que j'ai des trucs là. Attends, il a un arc meilleur mais en fait ouais, il a vraiment un arc meilleur mais ah ouais, mais c'est un arc qui nécessite un niveau supérieur parce que je suis pas niveau 10. Oh, ça c'est quoi? Putain, si on pouvait acheter les deux arcs là qui font 70-120, vache. Tu peux prendre, bah, soit tu prends l'arc, ouais, si tu peux prendre l'arc, enfin, ouais. Il me dit combien il te reste après pour voir si je prends cet arc là, mais cet arc là est niveau 10, alors
Ouais. Il y en a qui est ouais, qui presque mieux, mais il nécessite d'être à un niveau supérieur, donc ça. Putain, toutes les clés là, je me trimballe. J'ai une trentaine de clés dans mon inventaire, bordel. Et un coffre qu'on peut toujours pas ouvrir. Le sac, il est infini ou quoi? Les sacs, c'est stockage infini. J'ai oublié ça. Bah, c'est comme dans Baldur's Gate, je crois. Hein. C'est cheaté. On avait lu tout ça. Oui, je pense que oui. Ok. Et pourquoi j'ai toujours ce tonneau d'eau qui est revenu alors que je l'avais vendu? Vas-y, là, le poisson, ça dégage. Ok, alors je lui achète. The hunter returns. I hope you are here to shop. L'arc, juste l'arc, hein. Ouais, l'arc qui fait 64, 100, c'est ça, 110? Ouais, tiens, bah, attends, il y a des petites flèches, je vais les prendre aussi, ça peut toujours servir. Mais pourquoi j'ai des caisses sur moi? Mais c'est toi qui m'as envoyé tout ça? Hein? Tu m'as envoyé des caisses? Non. Mais comment ça se fait? Elles étaient pas là avant. Putain, et j'ai un anneau qui vient de popper, qu'il faut identifier, il était pas là avant. L'anneau, c'est peut-être moi, parce que je t'ai donné des anneaux pour vendre. Ah d'accord, ok, mais il y a un anneau qui n'a pas été identifié. Merde, bah j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, tu m'as refilé toutes tes merdes, toi aussi. Encore le tonneau d'eau, mais c'est incroyable, je veux plus le voir, ce tonneau d'eau. Pop-up m'emmerde, voilà. Mais enfin... Qu'est-ce que je vais garder? Ça, je m'en fous. Putain, il manque 100, quoi. Manque 100 pièces. Arrête de me filer des tonneaux d'eau, s'il te plaît. Je sens le rire pas du tout drôle. Juste énervé. Le coup du tonneau qui repop à chaque fois, ça m'a fumé quand même. Et je garde l'arc, du coup. Attends, il y avait un nono. Mais c'est bizarre parce que j'ai une amulette là. Pourquoi je peux pas le vendre? Ah si, pour l'arc. Pourquoi je peux pas vendre cette amulette? Et je te renvoie l'anneau à identifier. Comment on fait pour connaître notre niveau là? Je vois pas. C'est en haut, en dessous de ton pseudo. Ouais. Dans l'inventaire. Ok, putain, on est déjà à une heure, ma poule. C'est passé tellement vite.
Du coup, voyons voir sur la map. Si on nous fait un tout petit combat avant de terminer. Ouais, en fait, tu vois, j'irais avant d'aller à l'église. Cabane du croque-mort, d'accord. Et t'as vraiment plus d'argent, hein. Non, là, je suis plus rien. Avant d'aller à l'église, je dirais que ça pourrait être sympa d'aller voir cette zone où il y a des flammes partout, là. Je crois me souvenir qu'il y avait un boss assez sympa ici. Et qu'il y avait même pas mal d'ennemis. On peut y aller, ouais. Vas-y, bah moi j'y vais là. J'ai la porte par où je suis arrivé tout à l'heure parce que moi je suis rentré à pied. C'est par où? C'est par là. Tu peux même te téléporter à moi, je pense. Faut que j'appuie sur 9, c'est ça? Oui. mais en fait, je crois que c'est pas par là en plus. Je trouve que je me suis bourré. Ah, si, par là-bas. Voilà. Ah, c'est par là, je crois. Oh, tiens, c'est joli ça. Oh, c'est joli, mais il y a des squelettes là-dedans. Putain, mais on avait jamais été ici là. Ah, t'étais par là, tiens. Mais il y a des squelettes qui parlent. Ouais. En plus là j'ai un nouveau sort, ça va faire des dégâts, putain, ça coûte 7. Oh, j'ai hâte de l'utiliser. La sauvegarde. Mais tu vois, j'ai aussi sur ma barre le truc du bâton de Magus. Sauf que moi ça me sert à rien. Bah moi non plus, ouais. T'as pas un tonneau d'eau aussi? Je vais faire un test là. Ok, t'es prêt? Ouais. Non mais... Bah, ça suffit. Est-ce que... Déjà, je la heal. Qu'est-ce qu'ils racontent, eux? Ouais, ils se parlent entre eux depuis tout à l'heure. Ils disent, ouais, t'entends ça? Non, c'est du vent. T'as mis tué. Bonjour. Ah, mon petit. Blossius. Qui suis-je? Vous, qui êtes-vous? Ah merde, je l'ai effrayé. Nous faisions partie d'une cohorte de légionnaires infortunés que le lieutenant Selenia avait envoyé explorer l'église. J'ai l'impression qu'ils sont pas méchants. Non, on dirait que ce sont des légionnaires, mais comment ça se fait? Transformé en zombie, ouais. Repos de votre femme Marissa. Quoi? Sa femme? Comment ça, Martiniquais? Ok, ok, le mec bégaye. Boum, XP. Ok, bah, il nous conseille de pas aller plus loin. Il y a de la lave. C'est génial, on adore la lave. Très bien. Si on le butait. Attends, si je parle à l'autre. Oh, c'est une meuf. Qui est Blossius? Well, who we are now is certainly different from who we used to be. We were elite soldiers, Blossius and I. Two troops in a regiment. Ok, c'était des soldats d'élite. Near the bridge just behind us, an undead monster. Un monstre mort-vivant s'est arrangé un petit coin d'enfer avec lui près d'un hôtel d'ossement. Ok, tata. Same as what happened to us, partly anyhow. Nous avons perdu la vie tentant de combattre l'abomination des Wicks qui a eu domicile dans les cours situées derrière nous.
provide a piece of equipment to the Grand, clearing a temporary path through the lava. L'une de nos recrues a eu la bonne idée de déployer au sol un dispositif nous permettant temporairement de traverser la lave. D'accord, donc il y a un truc qui permet de traverser la lave. Et si on avait ça, ça nous permettrait de récupérer les 6 clés qui nous manquent là. Oh, je pense. C'est-à-dire qu'on se met en invisible, on a ce truc qui permet de traverser la lave et on est bon. Des patates, on s'en fout. Des billets. Ok, on peut combiner des objets avec cette merde. Il y avait un coffre que j'ai téléporté parce que j'avais peur que ça soit comme, considéré comme du vol. Fumina. Ah, ok. En fait, il est pas rouge, alors je crois pas, mais on sait jamais. Ok, bon, y a rien de. Y a rien de. De fou là-dedans. Moi, je vais faire un fight là, je suis dégoûté que ça soit des gentils. Attends, mais on va s'en faire un. On est où là? Sur la carte. En bas, c'est retour à Cizéal. Donc là, le feu, c'est en face. Enfin, c'est à droite. Là-bas. Ouais. Le feu. Là, il y a un pont là. On avait traversé apparemment. Sac de vide, super. Du coup, il y a des milliards de trucs enflammés là. Oh, le feu les régène. Oula, ça va être galère ça si le feu les régène. Déjà, je vais lâcher de la pluie. Ouais. Ouais, ça les affaiblit. Et ben voilà. J'ai envie de faire un test. Alors, est-ce que je peux cumuler ça avec ça? Ah non, c'est soit l'un soit l'autre, d'accord. Ok. Là, je passe à 100% pour toucher. Super. Maintenant, je voudrais faire d'abord mon ricochet. Ou voir même... Attends. Oh, tu vas être content, il y a des tonneaux d'eau partout. C'est si... Attends, c'est vraiment loin la vache. C'est quoi que tu veux faire là? Je voulais faire mes sœurs, mais mes sœurs ils ont une zone de... Ils ont une zone trop courte en fait, mes sœurs. Ah mais attends, le feu les régène. Ouais, c'est ce que je disais. Donc faut que je change de bâton. Ah ouais, merde, j'avoue. J'ai un truc d'eau. Tu vois là, avec la distance et ma posture de précision, je touchais à 100%. Ça fait du bien. J'en avais marre des 10% de chance de toucher et tout. Ouais, j'avoue. Ok. En plus, je fais ça. Ah, attends, je me demande, est-ce que je peux mettre deux baguettes d'eau? Je me demande si ça tire avec les deux baguettes en même temps. Ah merde, j'ai plus assez de PA. Ah oui, mais c'est ça, ce que ça fait, c'est que ça double l'utilisation de PA en fait. D'accord. Je vais rien faire. Je vais essayer de... Tiens, je fais ça. Super sale huile. Putain, ton personnage me fait penser à ma Lazael dans Baldur's Gate qui vraiment subit aucun dégât, jamais quoi. Tellement qu'elle a deux protections. Qui ça? Elle est ça?
Non, l'Azazel dans Baldur's Gate, c'est l'espèce d'orc bizarre. Bah, je l'ai vu dans sorte qu'elle est vraiment. Mais je veux dire, tu parles de qui là? De Black Devil ou de Elessa? Black Devil, ouais. Bah là, t'as bloqué. Ah, mais c'est le bouclier, je pense. Oui, mais voilà, mais c'est normal. Après, est-ce que j'ai une telle de. Est-ce que j'ai une tête d'orc bizarre? Non, c'est vrai. Est-ce que j'ai un vagin? Bon. Raté? Mais non, j'avais 80% même. Oh là là. Elle nique sa mère. Je suis désolé, mais 80, ça fait pas 100. 80, ça fait poisson. Mais la cible est trop loin. Ça fait, pas 100 rappeler du poisson. Non, c'est pas né. Ça, ça m'a coûté 2 points d'action. Panetton. Pas vrai ça, putain. Ah, c'est... Oh, 108. Oh, 108, ouais. Ah, the fuck. Yes. Bisous. Allez. On est bien loin de mon coup que je viens de faire. Je suis magicienne, qu'est-ce qu'il y a? Ferme ta gueule. Patatra, toi t'as fait 25 en fonçant dessus comme un gros malade. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Hey. Ce sont des victimes ou quoi? On apex. On apex. Il y a encore un autre mec là-bas. Je vais lui foutre ça dans sa gueule. Ah, tu peux pas le déplacer? Oh merde, j'ai subi chaleur. Je crame. Ah oui, fais gaffe. Faut que je te soigne. Ah mais t'as régénération toi maintenant. Mais oui. Eh ben voilà, impeccable. Ça c'est cool ça. Par contre ça va être galère si on... Vivement qu'on l'ait tous d'ailleurs. Je vais craindre. Il y en a plein partout. Elle va refaire pluie. On va suivre la chaleur. Sur une zone là, pour dégager les flammes. Ah, là, il y a plein d'ennemis, là. Il y en a plein partout. Chaleur, c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'ils me disent que je suis en chaleur, mais ça veut dire quoi? Être en chaleur. Bah, c'est-à-dire que t'es là et tu veux t'accoupler. Non mais il fait pas froid là. Oh putain, ce sort là il est fort. Dès que j'aurai l'occasion de l'utiliser, j'ai hâte de l'utiliser. Ah merde, c'est quoi? Ah non, je te gâle, c'est la surprise pour le combat où j'en aurai besoin. C'est un livre que j'ai acheté pour les archers. La vache, mais c'est quoi ces dégâts là qu'on fait soudainement? Non, c'était juste ricochet ça. Ouais mais même ricochet ça a jamais fait autant. C'est mon nouvel arc, hein. Ça c'est un dégât classique, voilà, 82. Ce qui est bien, c'est que j'ai pris un truc posture, précision, et je touche tout le temps maintenant avec, c'est trop bien. Du coup, je vais attaquer Kelo qui est juste à côté, là. Parce que je sens que lui en bas, là, il est fini déjà. Oh, mais les dégâts. Après, peut-être que c'est parce que c'est leur faiblesse, hein. Oui. Je vais lui faire un truc simple. Pourquoi tu tournes vers moi? Il est pas mort. Okay. Zut, il est bloqué. Ah, je peux faire ça. Et je dans le tonneau. Dans le tonneau. Oh là, on a trigger tout le monde. Là, il y en a combien? T'as vu comment il s'est régène? T'as vu combien il s'est régène? 27 000, 38 000. Qui ça?
Bah celui qui a avancé là, mais il était... En fait, ah, il était déjà foutu, donc c'est pas grave. Enfin, mais dans la lave, regarde la lave. Dans le feu, récupère. Non, mais dans la lave. Mais non, c'est la lave en fait, c'est l'équivalent en négatif en fait. C'est-à-dire que le feu il gagne 50, mais dans la lave, t'as vu, 20 000. D'accord. Parce que c'est la lave. Bah, faut les tuer quoi. C'est marrant, je trouve. Ouais. Je crois que c'est dans la lave quoi, parce que du coup, ils se remettront full à chaque fois. Ah, peut-être que là je vais pouvoir tester. Ah bah non, j'ai pas assez de PA. Tristounet. Putain, ça coûte combien? 7. 7 PA? Ah ouais. Mais est-ce que t'as le niveau pour utiliser ce sort? Ouais, c'est novice. Ah ouais. Ouais. Ouais, mais c'est peut-être un novice, mais pour un niveau élevé de personnage. Ah, peut-être, ouais. Mais oui, j'ai le niveau. Je peux dire que ça fait le double de ricochet et c'est un peu le même principe. Allez, espèce d'handicapé dans ta gueule. Merde, j'aurais dû faire ça avant. Je pense d'ailleurs que si j'avais acheté ce livre là avant de faire le boss qu'on a fait au début du live, on l'aurait fini très vite. Ah ouais? Bon, après ce combat, on va rester là. Hein. Fatigué, hein, mon poulet. Là, moi, je fatigue, là. Je commence à piquer du nez. Mon nez pique, vraiment. Et c'est épique, je sais. Au-dessus, ça serait légendaire. Bon, est-ce que là... Voilà, j'ai hâte. Est-ce que je du coup, on est vraiment pas loin de la fin de cette zone et du boss de Bracchus, hein. C'est là, après ce truc des flammes, là... on aura tout exploré la map, et il nous restera juste l'église avec Bracchus. Ouais... Un suspense, t'es prêt? On va voir ce que ça fait. Sachant que là je vais viser dans le vide et pas sur un personnage précis. Donc je sais pas ce que ça va donner. Bon. C'était quoi? Qu'est-ce que j'ai vécu là? Ça a pas fait beaucoup de dégâts du coup. Un peu décevant. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Flèche à fragmentation. Flèche à fragmentation, ok, ouais. Ah ouais, c'est pas si mal. Et en théorie, c'est. Bah en théorie ça fait deux fois plus de dégâts que le ricochet, mais tu vois que le ricochet il a fait plus. Ouais, mais peut-être qu'ils sont... Ils ont une résistance, peut-être. J'ai l'impression qu'ils ont une certaine résistance. Non mais j'ai peut-être fait des mauvais jets, enfin tu vois c'est entre 252 et 435 points de dégâts perforants partagés entre les cibles. Ah c'est partagé, d'accord, c'est pour ça. Ils se régènent leur vie ou quoi? En fait ça me fait deux sortes de zones en fait, c'est ça qui est bien avec le ricochet. Donc je peux enchaîner presque les sorts de zone quoi, avec elle. Ok. Ça bloque mon gars. Et s'il se rapproche, t'enculé. J'ai l'impression que les combats deviennent plus faciles. Ouais, c'est vrai. Putain, à cette distance-là, j'ai 78% de chance de toucher. C'est fou ça.
Ouais, mais c'est. Je pense que peut-être. Il y a. Dans tes stats, il y a un truc à augmenter, je pense. Pour ce précis. Hein. Non, mais. 78%. Non, mais même 78%, c'est bien, parce qu'avant, j'avais pas ça. C'est-à-dire que c'est un nouveau sort qui me permet de me concentrer sur la visée que je viens d'acheter. D'accord. Et ça marche vraiment bien, c'est une posture en fait. Voilà, j'ai fait descendre à tout. My Arrows. La série. Sur Netflix. My Arrows Academia. Baking like a cake. A cake? Ils sont foutus là. Oh merde. Tu te fous de ma gueule. Oh, putain, si j'ai pas loupé, ils crevent. Ils sont tués eux-mêmes. Opportunité, je crois. T'en as deux qui sont tués. Non, mais c'est ton bouclier, je crois, non? Ah oui, non, oui. Il a pris des dégâts, ouais. De mon bouclier. Effectivement. Bon, par contre, j'ai plus de vie. C'est un moyen de me heal. Là, t'es un peu loin. Attends. Peut-être que en faisant comme as. Il a dû me foutre un crit parce que j'étais mid life. C'est 5. C'est vrai qu'on a les potions, j'ai complètement oublié. Le problème là, c'est que j'ai une posture qui me ralentit. Alors attends, je vais enlever la posture qui ralentit. Je peux m'approcher un peu plus déjà. Oh, t'es un poil trop loin, je peux pas. Bon, sinon je peux essayer de faire. Ouais, c'est pas grave, sinon elle est ça, c'est à son tour normalement après, ça devrait le faire. Ok, bon, c'est pas si mal. Après elle peut le buter. On a tous chaleur là, c'est chaud. Merde, elle l'a pas tué. Merde, il bloque tout. Mais il reste encore un ennemi là. Pourquoi il fait... Putain, je me suis dit, c'est qui se marre là? Attends, mais il reste un ennemi là, il est où? Putain, il est loin. Il est plus haut. Hein. Bah ouais, il t'a buté là, il joue mais il fait rien. Merde. Ouais, il est loin. En plus, il va y en avoir d'autres. Hein, mais... Ouais. Il y en a d'autres là-bas, et d'ailleurs, je sais qu'il y a un boss. Au bout. Ah ouais? Et tu vas être couché avant, c'est ça? Ouais, là, je vais pas tenir. Là. Non, bon, on se garde pour le prochain coup. Au prochain coup, ouais. Il y a moyen qu'on finisse la zone. Hein. Qu'on change de map. Ouais. Je t'ai jamais un heal, hein, donc. Ah bah non, mais du coup, t'en as deux. Ah, t'as deux fois le heal, trop stylé. Non, ce sera pour deux tours. Ça va me soigner sur deux tours. Tu vas avec les maracas, toi. T'auras des flèches explosives au sol là. Oh, tu marqueras que moi je te heal moins que ce qu'il laissait avec son sort. Moi c'est 59, toi c'était 80, je crois. Ah, mais c'est parce que peut-être mon niveau est plus élevé. Ça. Ok, non. Comme je suis niveau 3, Hydro's Office, c'est peut-être ça. Ah, bah elle s'est désinvoquée. Ah. Il s'est désinvoqué. D'accord. Ah, c'était une invocation, ok. Ouais. Ok, il y a un vieux sabre là. Qui est pas fou, j'arrive pas à trouver une arme. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas changé d'arme en fait. J'arrive pas à trouver mieux.
Bah ouais, bah profite, moi j'avais pas changé depuis longtemps, ça fait du bien, mais... Ouais, ouais, j'avoue, c'est un peu dommage. J'aurais aimé que ça soit un peu plus comme Diablo 4, où t'as des objets rares sur tous les trois ennemis. Ouais, sachant que tu tues 100 ennemis toutes les 10 secondes. Oui. Oh là, il y a des flèches. Quoi ? Encore un combat ? Hein ? Oh merde, attends, je fais une sauvegarde. Vas-y, on le tue en 2 secondes et puis après on arrêtera. Mais ils sont où ? Et il est là. Ah mais moi je vois 3 ennemis. Il y en a 3 ? Ouais. Ouais, moi j'en vois 3, ouais. Moi j'en vois 3 en haut, du moins. Ah oui, oui, oui. Ouais, ralentis-le comme ça, il va mettre 3 heures à sortir des flammes. Ah merde. Attends. Ouais, mais faudrait enlever les flammes parce qu'il va juste lui, il a fini là. Ouais, je sais, mais je pouvais plus faire pluie. Je peux faire ça. T'as pas un tonneau dans ton inventaire par hasard ? Point d'action suffisant. Merde, j'ai pas assez de points d'action. Non, j'ai pas. Je les ai tous vendus. Après, on peut le tuer avant qu'il se régène, hein. C'est possible, ouais. Bah, il s'est régéné un petit peu. Faut que je fasse mon sort de pluie, comme ça c'est bon. Pourquoi ça permet de toucher ? Ouais, ça te permet d'avoir de toucher les autres qui sont camouflés. Ça les a pas touchés, si ? Ah si ? Non ? Non, ça les a pas touchés, non ? Si, ça en a touché un. Il y en a un qui a perdu des PV. Ah. Ok. Cool, cool, cool. Ah, c'est Squeezie, le GP Explorer, c'est fini. Ah ouais. Je me demande qui la raid. T'imagines le raid à 600 000 personnes. Ce serait drôle, tu sais. Oui, il y avait eu ça avec Zerator. Il avait. Il avait marrant, raid à la fin de son truc Mania Cup. Il avait raid à un petit mec. Bah, c'était le petit mec qui avait gagné le truc Mania Cup. Il avait raid. Ouais. Le mec avec plein de milliers de viewers qui sont partis très vite, mais il en a gardé quand même pas mal. Ah, c'est cool ça. Mais ce serait rigolo de faire un raid. Parce que je pense que ça a jamais été fait de faire un raid à plus de 500 000 personnes. Et où ? C'est genre, t'amènes tout Bordeaux. C'est tout Bordeaux qui va voir un live en fait. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre, elle ? Ouais, elle peut pas faire grand chose. Ok. Et lui, il peut faire un truc. Non. Ah putain, il a 4 parchemins de régénération quand même. Ok, bah je... Ah oui, je voulais bouger le tonneau peut-être éventuellement. Ouais, bon, je peux pas faire mieux. Là. Mais il est con. Extrêmement con, le gars. Oh, 111. Et ça aurait dû faire 111 aussi à son pote, mais comme il y avait un mur entre les deux, ça n'a pas marché. Mais tu vois, comme quoi, c'est là, tu vois, j'étais en train de penser là, Diablo 4.
là c'est bien fait dans le sens où quand on monte de niveau, malgré le fait qu'on attaque des adversaires qui eux aussi ont pris un niveau, ben on met quand même plus de dégâts, on est quand même plus puissant. Alors que Diablo 4, le passage de niveau ne sert strictement à rien. Parce que les ennemis s'alignent trop à ton niveau. Donc au final, t'as pas l'impression de taper plus fort, de faire plus de dégâts, t'es toujours pareil. Il y a ça aussi, bah, normalement dans Baldur's Gate ou Divinity Original Sin, c'est des jeux où tu as moyen, plus de liberté en termes d'évolution, et si tu prends les mauvaises évolutions, et bah tu fais pas plus de dégâts, il faut prendre les bonnes évolutions quoi. Alors que Diablo, bah, peu importe ce que tu fais, je pense que ça reviendra au même. C'est-à-dire que dans ce genre de jeu-là, tu peux à la fois ne rien ressentir comme évolution parce que tu t'es foiré sur la construction de ton personnage, tu t'es trop éparpillé. Toi, tu fais un personnage très très bien construit, bien réfléchi, qui va rouler sur tout le jeu à partir d'un certain moment, quoi. En fait. Ouais. Et moi, je sens bien très mal Baldur's Gate parce que j'ai mon mage, j'ai vraiment pas compris comment le monter. Je joue très mal le mage et il est pourri, il sert à rien, il me sert vraiment à rien. Et à côté, j'ai mon berserker et mon guerrier qui sont vraiment ultra forts dans leur domaine, quoi. Ouf. Je crois qu'il est jamais arrêté de taper le mec. C'est vrai, il met pas trop de dégâts. On peut pas le viser d'ici là. Ouais, il est tout seul, de toute façon, on va le buter. Voilà. Voilà. Ah oui, toi, t'as la pyramide. C'est combien de PA la pyramide? Beaucoup. 6 je crois. Ah ouais. Ouais, il est costaud lui. T'es costaud toi? Oula, ouais, il est costaud lui. Oula, et... J'aurais peut-être pas dû me rapprocher aussi près. Tiens, je vais le brûler, tiens. Non. Mais en plus, ce qui est cool, c'est que du coup, tu lui renvoies des brûlures qui le heal. Ah merde. C'est vrai, ça a fait ça. Bah, ça lui a renvoyé des brûlures, mais je suppose que ça l'a heal. Ça a pas vraiment écrit. Bon, après, c'est 2 et 4, ah hein, oui, c'était pas grand-chose. 2 dégâts de brûlures, ouais. Oh putain! Ah, oh, je suis dead! T'es dead? Ouais, mais je suis dead! Yriel! Dead! Je suis comme un zombie, tu sais comment on dit zombie en espagnol? Larson! Larson, ouais. Ah, tu le savais, ok. Oui, c'est Larson. D'accord. Et le, on dit il. Donc, quand on dit Nick le zombie, c'est Nick Hillerson. Ah, ok. La sauvegarde. Ah merde, c'est qui a autre chose à porter? C'est ton perso? Non, c'est bon. Par contre, on est tous en chaleur. Ah bah on a tous envie de baiser là. On se retient plus. C'est quoi le cadavre qui est par terre, le cadavre vide? Ouais, bizarre comme nom. Ah mais il y en a un autre, tiens, avec une flèche d'eau, je suis l'envoi. Ah mais il y a trois cadavres en fait. Putain, encore avec des flèches d'eau. Qui leur prend? Et pourquoi vous êtes morts les gars? Non mais t'as oublié des trucs là. Attends, on a oublié des trucs. Ah mais c'est parce qu'on avait engagé le combat. Ça, j'ai oublié des trucs tout de suite, c'est de ma faute. Là, il y a des flèches explos, flèches de feu. Parchemin, je pense que je m'en branle. Si tu peux prendre dessus. Bien, on est bon. Petite sauvegarde. Attends, hop.
Ah merde, je suis au combat. Attends, là-bas, il y a encore un truc à ramasser. Avec moi-même. Attends. Attends, je me remets. Voilà. Très bien, les amis. On a fait une bonne petite session là, quand même. Et bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de continuer Divinity. Moi, il me tarde de continuer, hein, comme BG3. En fait, ça peut être pas mal qu'on fasse une petite alternance, quoi. Un coup BG3, un coup Divinity, ça peut être pas mal aussi. Je crois que moi, BG3, j'y ai pas rejoué depuis 2 semaines, je crois. J'ai envie d'y jouer à plusieurs, quoi. Pareil. Quoi. Non, mais à mon avis, Cortana va redonner de ses nouvelles. Bah, si je regarde Discord, si ça se trouve, elle a déjà répondu. Non, mais par contre, c'est vrai que maintenant on a un groupe Discord, donc ça va être beaucoup plus organisé. Ah bah voilà, attends. Déjà que moi-même, je n'ai pas réussi à créer le groupe Discord. je sais pas comment ils ont inventé leur système. Oui, ça a changé, je crois. Par contre, il y a un nouveau truc sympa, attends, c'est quoi? C'est pas pratique, hein. Et quoi, ils ont mis un canard dans Discord? C'est quoi ça? Ils ont mis un canard sur Discord. T'as un stream deck? Non, c'est inclus dans Discord. Depuis quand ils ont mis ça? Bah, depuis quelques temps maintenant, j'avais même pris un truc exprès pour les notifs Discord. Mais ça s'active. En gros, t'as un bouton au-dessus de mettre sur DIN ou rendre muet, t'as un bouton, tu sais, à côté de partager l'écran. À côté de partager l'écran. Ouais, j'ai pas. Mais si, en bas à gauche. Ah, mais c'est parce que. Oh, ok. Ok, c'est sur mon portable, je peux pas le voir. Ah merde, ça m'a mis. Attends. Merde, j'ai vu de la merde. Hop. Ah oui, mais t'as déconnecté. Ouais, non, mais c'est parce que j'ai cliqué. J'ai deux Discord ouverts là, sur mon portable et sur mon PC fixe. Et du coup, j'ai cliqué sur mon PC fixe, ça m'a connecté depuis mon PC fixe. Ouais, mais sur ton PC fixe tu peux pas le faire, faut que c'est sur le PC où t'es connecté. Ouais, mais là du coup je vois toujours pas. Hein. Ouais, mais là tu voyais quand tu étais connecté. Moi je l'ai vu sur, ouais, sur mais ton c'est stream. Pas grave, c'est pas grave, on verra ça le prochain coup. Je suis en train de crever. Là. Ouais. Là, je vais mourir. Et toi? Bah moi non, mais par contre toi tu vas mourir, ouais. Regarde ton stream. Oui. Bon, du coup, fin de cet épisode de YouTube. Merci, les amis. Merci, mon cher Strassounet, les bips sous cosmique. Rendez-vous le prochain coup. Et c'est le suicide collectif. Y'a pas que toi qui peux le faire.